Le don d'hérisser les sceptiques, qui considèrent le magnétisme comme une pseudo-médecine. À l'université de Grenoble, Richard Monvoisin fait tout un cours autour de la critique des pseudo-médecines. Des explications, lui, il en a. À commencer par le fameux effet placebo, qui se déclenche quand on a confiance dans son médecin, son thérapeute, et qui aide à guérir. L'effet placebo, on croit souvent que c'est un truc qu'on fait aux gens qui sont stupides pour leur faire passer le temps. C'est pas si simple que ça. La stimulation symbolique crée un réel effet physique. Il y a un vrai effet physique. On sécrète des endorphines qui nous soulagent un petit peu de la douleur qu'on ressent. Je sais pas si ça vous fait ça à vous. Moi, ça me fait ça à moi. Dès que je prends rendez-vous chez le médecin, rien que le fait de prendre rendez-vous, je vais déjà un peu mieux. Je tousse moins. Et des fois même, je tousse comme un perdu toute la journée et j'arrive chez le médecin et au moment, il est obligé de me demander de tousser et je suis obligé de me forcer, j'arrive plus. C'est dingue. Enfin, l'effet placebo fonctionne très bien sur les enfants. Et moi, par exemple, je le faisais, j'ai fait de l'effet placebo sans arrêt quand j'emmenais des gamins faire du sport. Et quand il y a toujours des gamins qui ont la nausée en voiture ou en camion, ils vomissent partout, c'est horrible. Moi, j'avais une technique, essayez, ça marche super bien, vous leur dites, ah, j'ai un truc radical, tu mets du scotch sur ton nombril. Et mettez du scotch sur le nombril, je vous jure. Et hop, ils mettaient scotch sur le nombril, il n'y avait plus personne qui vomissait. Hein. Plus personne qui vomissait, vous leur faites ça 2-3 fois, ils expérimentent le fait d'avoir fait de la bagnole sans vomir. Puis après, vous leur dites, tu sais, c'était pas vrai. Puis après, on leur explique un peu le mécanisme, le sens de l'équilibre, l'ouïe, c'est très lié, machin, tout ça. On explique un peu l'oreille interne. Et le gamin, il n'est pas plus bête qu'un autre, il repart, il se dit, bah ouais, effectivement, finalement, j'ai plus besoin du scotch. Et là, on s'autonomise un peu par rapport à ça. Autant savoir que la plupart des pathologies disparaissent spontanément et qu'il suffit d'attendre bien souvent. Ça nous éviterait parfois d'aller nous précipiter chez les médecins et de réclamer des médicaments, ce qu'on fait quasiment tout le temps. Mais c'est comme le fait que, par exemple, quand on a mal au ventre, on se met la main sur le ventre et ça va un peu mieux, mais c'est pas forcément psychologique, c'est juste la chaleur qui est en nous, ça nous fait du bien. Enfin, c'est pas que du mental. Quoi. Les guérisseurs, ils viennent remplir un vide, souvent un vide de sens. Les gens qui souffrent d'une maladie, très souvent, ils ne comprennent pas pourquoi ça leur tombe dessus, ils trouvent ça un peu injuste, il n'y a pas de sens derrière ça. Et on aura beau expliquer avec des statistiques, ça ne rassure pas pour autant les gens. Et donc se tourner vers quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qui ne serait pas expliqué, qui pourrait peut-être donner un cadre conceptuel pour comprendre ce qui nous arrive, ça a un côté rassurant. Se dire qu'il y a peut-être des forces occultes, peut-être des choses qu'on ne comprend encore pas, qui pourraient peut-être nous aider. Ça a une fonction rassurante, ouais. Une fonction vraiment rassurante. Mais comment les